Le bout du tunnel pour le Mali, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Cet accord a été signé par le gouvernement et les groupes armés du Nord le 15 mai et paraphé le 20 juin 2015 à Bamako. Ce document, qui constitue un espoir de paix pour les Maliens, doit créer les conditions en vue de stabiliser le pays et favoriser les retours d'une paix définitive. Le Mali bénéficie de l'accompagnement de la communauté internationale dans ce processus. L'un de ses partenaires privilégiés, c'est la MINUSMA. La MINUSMA, à travers sa section Réforme du secteur de la sécurité et des mobilisations, désarmement, réintégration, SSRDDR, travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Mali pour le retour de la paix et la stabilisation du pays. L'accord prévoit la création de plusieurs commissions, notamment la Commission nationale DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Celle-ci a un rôle important pour la mise en œuvre efficiente de l'accord. Cette commission aujourd'hui, elle est effective. Elle a ses bureaux qui sont fonctionnels ici à Bamako. Ses effectifs sont au grand complet. Il y avait une insuffisance concernant l'inclusivité. Le gouvernement a tout fait pour aussi rattraper cela. L'objectif principal du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion est de contribuer à créer un environnement sécuritaire, stable, favorable au développement à travers le désarmement, démobilisation et réinsertion socio-économique des ex-combattants. Le volet réinsertion est capital pour assurer la stabilité économique à court terme et à long terme. Pour le premier responsable de cette commission, des avancées notoires ont été enregistrées. Cela grâce en partie à l'accompagnement de la MINUSMA qui n'a jamais fait défaut. La MINUSMA est un de nos principaux partenaires. D'abord sur plusieurs points, ils sont un partenaire incontournable parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils contribuent à la sécurité, parce qu'ils ont une expertise. Parce que pour la simple l'appui logistique avec les missions de la commission entre la capitale et les régions, aujourd'hui on peut dire que c'est eux qui assurent un peu ce désenclavement de ces régions par rapport même aux structures de l'accord, chargées de la mise en œuvre de l'accord. Donc ce rôle est joué positivement par la MINUSMA. Une nouvelle étape a été franchie dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, avec notamment le lancement du MOC, mécanisme opérationnel de coordination. Conformément à son mandat, la MINUSMA poursuit la réhabilitation des camps devant abriter le MOC de Kidal et de Tombouctou. La section SSR-DDR suit de près l'évolution des travaux. Par contre, le MOC est déjà opérationnel à Gao. Cette force regroupe des éléments des mouvements signataires de l'accord et des femmes. La MINUSMA, en accompagnant le gouvernement, les autorités compétentes, nous avons construit et puis sécurisé ce site qui est opérationnel. Bon, il y a eu aussi les patrouilles mixtes. Le MOC en général, c'est comme un enfant qui vient de naître. Donc c'est vrai, l'enfant a deux jambes, mais il lui faut un peu de temps pour ramper et puis ensuite être debout et marcher. Donc nous sommes là, sommes engagés, la MINUSMA, Barkhane aussi, pour accompagner le MOC, accompagner sur le plan matériel, mais aussi accompagner sur le plan éducation et civique, discipline. Donc il y a des modules, des formations qui se font. Au niveau de chaque région, il y a un camp destiné à abriter les gens du MOC. Toutes ces installations ont été mises à disposition par le gouvernement de la République du Mali, qui a soutenu une partie de la réparation des infrastructures avec la MINUSMA. Donc la MINUSMA accompagne le gouvernement et les autres parties signataires pour réhabiliter l'infrastructure, faire l'adduction d'eau, faire l'adduction d'électricité et fournir des tentes.
pour l'hébergement des combattants et aussi assurer un soutien en carburant et en eau lors des patrouilles. De son côté, le gouvernement aussi contribue grandement à la réalisation de ces MOC en donnant tout ce qui est habillement, couchage, campement, les véhicules. Donc c'est une entreprise commune entre l'aménagement, certains partenaires internationaux et le gouvernement de la République du Mali dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix. C'est dans ce camp, dans la ville de Gao, que le MOC a pris son quartier général. La réhabilitation des bâtiments a été faite par la MINUSMA. Le partenariat entre le MOC et la MINUSMA en général, c'est un partenariat qui va vraiment tout droit au cœur. Parce que presque tous les travaux que vous voyez ici, c'est la MINUSMA qui les a tous faits avec les partenariats. Et puis avec les SSDDR, nous avons eu un projet avec les SSDDR, c'est la réhabilitation de ces bâtiments, c'est l'adduction d'eau, l'électricité aussi. Donc voilà, et c'est un partenariat qui va vraiment très droit au cœur et nous demandons encore à l'aménagement et à tous les partenaires d'œuvrer dans le même sens parce qu'il faut aider le Mali en général, en même temps il faut aider le MOC en particulier. C'était vraiment difficile parce que c'était des zones où la sécurité faisait défaut. Donc il a fallu vraiment, avec la force, avec les escortes de la force, aller régulièrement voir l'état d'avancement des travaux, mettre la pression sur les partenaires locaux, s'assurer que le plan sur lequel ils devaient s'appuyer pour faire le site a été respecté. Et donc il arrivait qu'on arrive sur le site à Tabankort ou bien au niveau de Timfadimata pour faire des recommandations pour améliorer la prise en charge des sites, la construction, de sorte que les combattants qui vont vivre pour le DDR futur dans ces sites-là puissent vivre dans de bonnes conditions. L'aménagement, à travers sa section SSR-DDR, travaille également sur un autre chantier primordial pour l'application de l'accord de paix. Il s'agit du processus de cantonnement des combattants des mouvements signataires de l'accord. Sur ce volet, 8 sites de cantonnement ont été réalisés en tout. 5 dans les régions de Gao et Menaka, 2 dans celle de Tombouctou et 1 dans la région de Kidal. À la demande du gouvernement du Mali et des mouvements signataires de l'accord, la MINUSMA a débuté depuis le 6 juillet 2017 la mise en œuvre des mesures de sécurité passive supplémentaires à l'intérieur et aux abords des 8 sites. Actuellement, l'un des défis reste la sécurisation des sites par les groupes armés signataires présents dans les localités. La MINUSMA remettra progressivement à la Commission nationale des DDR les clés des sites de cantonnement dont les mesures de sécurité passive seront achevées. À Likrakar et Timfadimata, certains combattants des mouvements signataires de l'accord que nous avons rencontrés se disent impatients de rejoindre les sites de cantonnement, mais pas avant l'accord de la hiérarchie. Double bénéfice pour la construction de ces sites de cantonnement. En plus d'abriter bientôt les combattants, les travaux ont généré des emplois temporaires pour les populations selon les localités bénéficiaires. Par exemple, ici à Tessalit, dans la région de Kidal,
plus d'une centaine de jeunes ont travaillé sur le chantier de construction. Je suis particulièrement très heureux de la construction de ce site de cantonnement. Premièrement, il a généré des revenus pour les populations à travers ceux qui ont passé par là pour la construction de ce site. Environ 700 personnes ont travaillé ici, donc ils ont généré des ressources. Et ces 700 personnes relèvent des familles. Donc, indirectement, plus de 1400 familles ont bénéficié de la construction de ce site de cantonnement. Le but est d'accompagner le processus DDR, la section RSS DDR a eu l'ingénieuse idée d'initier des projets de réduction de violences communautaires RCV. Ces projets sont à base communautaire dont leur mise en œuvre exige l'implication réelle de communautés de manière inclusive. C'est un nouveau concept dans les opérations de maintien de la paix. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurité, au renforcement des capacités des bénéficiaires et de créer un cadre de dialogue et de réconciliation entre les ex-combattants et leur communauté. Cette initiative novatrice a concerné les régions de Mopti, de Tombouctou, de Gao, de Menaka, de Taoudéni et enfin de Kidal. Fatoumata Guindo vit avec son époux et ses trois enfants dans ses quartiers populaires de la ville de Mopti. Elle vend du poisson au marché. Son mari, en déplacement à notre passage, l'accompagne également dans cette tâche. Cette activité lui permet d'avoir une occupation et de ne pas rejoindre les groupes armés dans sa région. Ce commerce permet donc à Fatoumata et à son mari de subvenir aux besoins de la famille. Fatoumata Guindo, comme beaucoup d'autres qui font le commerce de poissons, a bénéficié d'un financement de projet RCV de la MINUSMA. Ce programme a permis d'aménager ses hangars. Le but est de leur offrir un cadre adéquat pour leurs activités commerciales. En plus, ce projet a créé aussi une atmosphère d'entente et de dialogue entre ces commerçants de poissons. Ces projets à impact significatif ont aussi concerné d'autres secteurs. Il s'agit par exemple de la réalisation d'adductions d'eau potable, l'électrification de certaines administrations municipales, mais aussi l'aménagement de jardins maraîchers et l'érection des canaux d'irrigation. Ce périmètre maraîcher, situé dans le village de Yamoussa, toujours dans la région de Mopti, a permis d'occuper ces femmes. Elles sont regroupées au sein d'un collectif dirigé par Mariam Poulobba. Cette brave dame, comme la centaine d'autres, travaille dans ce jardin complètement aménagé par la MINUSMA. Un tremplin pour ces bénéficiaires qui n'avaient pas d'activité génératrice de revenus digne de ce nom. <t'en>
L'aménagement de ce périmètre maraîcher par la MINUSMA a permis de ramener la confiance entre les villageois et de promouvoir la cohésion sociale. En somme, ce sont des femmes émerveillées et qui retrouvent de l'espoir, d'une paix et de la stabilité dans leur village. Une joie exprimée à travers ces pas de danse du terroir. Une des particularités des interventions des projets RCV est que les localités bénéficiaires sont laissées à elles-mêmes pour développer et suivre les dividendes du projet. Ce qu'on fait avant tout, c'est qu'on a plusieurs façons d'identifier les projets. On va d'abord, on a une approche où on collecte les projets à travers les communautés et leurs besoins. Mais pour se concentrer sur des communautés, ce que nous faisons, nous allons d'abord sur une analyse de base qu'on appelle une analyse, disons, des points chauds, un hotspot analysis, qui nous permet d'identifier les zones à tension. Et à partir de ce moment-là, on approche les communautés, on leur demande d'identifier des besoins qui répondent au fait à. Qui permettent de gérer des problèmes qu'ils rencontrent principalement. Et soit on approche les communautés directement à travers les autorités ou à travers les ONG qui travaillent directement avec les communautés. La majorité de nos projets sont implantés dans des zones reculées, dans des zones où les populations ont du mal à avoir accès aux autorités même, on va dire, et donc aux services qui sont supposés être les services qui doivent leur être donnés. Et elles ont également ce sentiment de réclusion. Et nous essayons, dans la mesure du possible, d'aller le plus loin possible et de toucher ces communautés, de garder le lien entre elles et puis le reste du pays pour qu'elles ne se sentent pas oubliées et donc peuvent participer à la prévention au radicalisme. Voici l'une des fiertés tomboxiennes. Bâti sur un hectare, ce jardin maraîcher accueille près de 300 femmes et hommes. Bourema Maïga, qui a failli rejoindre certains groupes armés de sa région, n'avait aucun boulot lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Mais grâce à cette réalisation de la MINUSMA, l'espoir renaît pour lui. Cette activité lui permet d'avoir des revenus et ainsi prendre en charge sa famille. Misma ye dama sa ngando go ngando gari jay kay projet di KSC ane to yarone du reydi ne to haydi kame haydi kay CSC ja crise di dem a ci haye berka e CSC ka crise di hasara si bobu kangie to muka KSC CSC and haydi ki CSC ay sa ka ber yar ga jatti a tonton yar jatti di jabna kumandi yar ga charge bobo ka cin di yar bene ta ci carburant musa wonda moteri wona hisad nda na to yar wona dure jena di jatti di duara hayata an ses hayata jabne aidi ke du wona depense di store sa di crise de wona depense ni. Cette localité a, dans le cadre d'un des projets RCV, bénéficié de lampadaires solaires. En plus d'apporter la sécurité, ces lampadaires permettent également à certaines vendeuses d'aliments de fructifier leur commerce, cela en vendant même la nuit. C'est le cas de Adizatou Mintiyuba qui aide son mari dans la prise en charge de la famille. Toutes ces actions aident à la réduction des violences communautaires. C'est la joie totale parce que tout le monde vivait ensemble et tout le monde se vit à chaque moment. Les jeunes aussi ils prennent leurs leçons en face de la lumière, quoi. Donc c'est quelque chose vraiment qui a beaucoup changé la vie,
la vie du village. De grandes réalisations ont été faites aussi dans les régions de Gao et de Menaka, des activités pilotées par le bureau régional de la MINUSMA basé à Gao. Ces activités ont concerné les services sociaux de base, notamment les addictions d'eau potable qui fonctionnent à base du solaire, l'aménagement de périmètres maraîchers, entre autres. Le projet de réduction de la convivialité communautaire est un apport qu'on apporte dans la communauté pour amener en fait ensemble les populations autour d'un dialogue, autour d'un débat sur un besoin prioritaire. La population se décide à choisir ce besoin prioritaire. Il peut être une école, il peut être un réseau hydraulique, ça peut être aussi une alimentation, ça peut être des activités génératives de revenus. Ces projets sont des tremplins pour nous qui nous permettent non seulement d'occuper les jeunes à proie à la violence, mais aussi d'apporter un petit plus aux jeunes qui n'ont pas pris les armes, pour ne pas leur donner envie d'aller aussi prendre les armes parce qu'ils voient que les autres qui ont pris les armes sont en train d'être récompensés. Cela nous permet d'amener autour de nous des acteurs du développement, comme les agences et systèmes des Nations Unies, à continuer le travail que nous avons commencé, car la population en ce moment maintenant a envie d'apporter, de faire confiance à l'AMINUSMA pour mettre en place les projets de réduction de la violence communautaire. Comme dans les autres régions, Kidal a également bénéficié des projets RCV. L'une des grandes réalisations dans la ville de Kidal, c'est l'aménagement de ce périmètre maraîcher et la construction de 3 bassins de retenue d'eau. Une véritable panacée selon cette bénéficiaire. Le jardin, c'est grand, c'est large. Est-ce que tu vois? Quand ça va, ça marche, il y aura du bénéfice. Quand il y aura du bénéfice, qu'est-ce qu'il faut du bénéfice? Envoyer les enfants à l'école. L'habillement des enfants, la nourriture des enfants, même les voisins. Et la santé. Est-ce que tu vois? Même la santé. Sans la bonne nutrition, les bons aliments, il n'y a pas de santé. La vie, c'est le jardinage. Surtout l'eau. Tu as vu les jardins là maintenant? Merci, vraiment nous remercions l'AMINUSMA. Sans cesse, je dis bien sans cesse. Surtout l'eau. Dans quelques mois, Kidal aura son abattoir. Il va offrir un cadre qui respecte les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Les travaux, qui sont toujours en cours, sont aussi assurés par une ONG d'exécution, partenaire de l'AMINUSMA. Sur le chantier, travaille un groupe de jeunes natifs de la ville de Kidal. Pour Sidi Ag Mahmoud, cet emploi généré lui permet d'avoir une occupation et de ne pas rejoindre le rang des groupes armés. فاتور هنا غاستي تولاغ تنفانا هولا انتي تولاغ تنفاهي تنفا اكال لا هولا تنفاهي لا انا كيلسي اخدم نكري غا جودي سي اخدم نجرا ورا صغر في ورا صخدم غا فلت جرو غا شكا مازال رزن شغا ما جوري هي جرو غا رسغا سري هارا اصرف ورا سري كسارا دي هارا هي جرو انت صخدم غا سولر رس يجري شاني ينفاهي قدا له مشاكل نجوتني لباسني Entre 2013 et 2015, on a mis en œuvre 11 projets. Entre 2015 et 2016, on a mis en œuvre 44 projets. Et entre 2016 et 2017, on est en train de mettre en œuvre 34 projets. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes au nord de Mali qui ont absolument bénéficié de nos projets. C'est-à-dire qu'il y a des impacts visibles. On est absolument content. Le rôle principal de notre section, c'est d'assurer le cantonnement, le DDR des combattants, l'intégration dans les forces de sécurité ou les services de l'État et d'appuyer la réforme du secteur de sécurité. Donc tout ça, c'est un travail de court, moyen et long terme. Quand vous prenez par exemple la réinsertion socio-économique des combattants, c'est du travail de long terme. Quand vous prenez la réforme du secteur de sécurité, c'est du travail de long terme. Donc tout ça va continuer pour le bénéfice des populations. Les projets sévères, c'est la même chose. Tant qu'on aura à faire des choses pour les ex-combattants, on est aussi tenu de faire quelque chose pour les populations locales.
En termes de bilan, de 2013 à nos jours, que de chemin parcouru. Les différentes interventions ont permis de redonner espoir aux populations bénéficiaires. Et pour maintenir cet élan, l'AMUNISMA entend poursuivre ses efforts afin d'atteindre les objectifs à savoir ramener la paix au Mali. La paix est à portée de main, les Maliens voient déjà le bout du tunnel. Mali de Wondagoye, Mali de Wondagoye, Tarawarepi, Bigabar Kandibo.